Hachem, on va lire une lettre aujourd'hui pour la réfoua chez les mains de Maryse, Simcha Bat Rachel, sur la tombe sainte de notre maître, Chida. Bezrat Hachem, que son mérite la protège et lui donne une guérison parfaite et complète. Aujourd'hui, c'est une lettre que Rabbi Israël Berodesser a écrit au président Zalman Shazar, sortir de l'obscurité grâce au juste. Bonne année, guérison et délivrance à M. Zalman Shazar, président de l'État d'Israël, cher à mes yeux, auquel je pense toujours, qui élève son âme jusqu'au sentier de la sagesse du sage véritable, père de tous les sages, unique dans les générations, fleuve jaillissant, qui par sa sagesse extraordinaire éclaire les yeux des enfants d'Israël pour sortir de l'obscurité et qui nettoie des eaux diluviennes de l'athéisme et des croyances de la folie, des erreurs, de la vanité et du mensonge. C'est pour cela que Dieu t'a choisi et a utilisé de nombreux moyens et de grandes merveilles jusqu'à ce que soit fondé et consolidé notre lien et notre union sainte qui a donné un enfant merveilleux appelé Ibéa Nahal à l'écoute du fleuve pour lequel tout le monde s'émerveille, s'étonne et stupéfait et que l'on accueille avec beaucoup d'affection et d'amour car il abreuve les enfants d'Israël des eaux de la vérité où germera la délivrance prochainement. Que Dieu te guérisse complètement et te préserve de tout mal et de toute maladie et douleur. Amen ve amen. Béni soit celui qui est bon et rend bon. Béni soit celui qui guérit les maladies. Nous sommes obligés de louer et de glorifier Dieu pour tout le bien qu'il t'a prodigué à toi et à tout Israël, et parce qu'il t'a laissé en vie et ne t'a pas fait trébucher. Rabbi Israël Berodesser.